Good morning, allez, Iden et Tusroi, aujourd'hui, Lelo Nishmat Rachel Batsara, ainsi que l'Irfuat Etel Myriam Léa Batsara, Chayarivka Bat Léa, Sarah Bat Nechama, Chana Léa Bat Gitel Devora Bator, Shachol Israël, si vous souhaitez aussi une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous étudions Maseret Ptachim Perek Gimel, Mishnah Vav. Arba'a Asar Shechaliyot Beshabbat, Mevaharim et Akol Milifne Shabbat, Divrei Rabbi Meir, Vachachamim Omrim, Bizmanan. Rabbi Elazar bar Tzadok Omer, Teruma Milifne Shabbat, Bechulin Bizmanan. On traduit directement Arba Asar Shechaliyot Beshabbat, le 14 Nissan, veille de Pessah, qui tombe à Shabbat, comme ça va être le cas de cette année. On va voir le Seder cette année à Motse Shabbat. Et du coup, donc on a le 14 Nissan, la journée où il faut arrêter de manger le Hametz à la quatrième heure, le brûler, donc on ne va plus le brûler pendant Shabbat. Et la question elle est, qu'est-ce qu'on fait, comment se comporter? Sur ça, la Mishnah nous enseigne, Mevarim et Akol, Milifna Shabbat. Alors, le premier avis de la Mishnah, qui est Rabbi Meir, il me dit, Mevarim et Akol, Milifna Shabbat, on supprime tout, on brûle tout, avant l'entrée du Shabbat. On se laisse le strict minimum pour les repas du Shabbat, mais on supprime tout auparavant. D'accord? Parce que, concrètement, t'as plus rien à faire, donc comment tu vas détruire une quantité énorme, énorme pendant Shabbat de pain quand ça va pas être réalisable? D'accord? Et ça, c'est le premier avis. Ça implique tout, même les choulines, même la tourma. Après, on va expliquer ensuite qu'on va arriver au prochain avis, au dernier avis, plutôt. Divré Rabbi Meir, donc tel avis de Rabbi Meir. Rava Chachamim Omri, Mezmane Chachamim te disent, écoute, non, tu fais ça en son temps. Continue à vivre ta vie, garde ton Chametz toute la journée du vendredi, entre Shabbat avec tout ton Chametz, Shabbat matin tu le gardes encore, après quand ce sera l'heure de le détruire, tu le détruiras, tu pourras le jeter dans le Zoré, la porte, il est Mefarer Vezoré la Rouach, il les miette, il le laisse partir dans le vent, dans la mesure où il a le droit de porter le Shabbat. Il peut le mettre, il y a toutes sortes de solutions qu'on propose, de le mettre aux toilettes et tout ça. T'as pas de prise de tête, t'as pas besoin de te soucier de le supprimer avant le Shabbat. Et sur ça, on a Rabbi Elazar bar Tzadok, Omer, Rabbi Elazar bar Tzadok qui nous dit comme ça, Trouma milifne à Shabbat. La Trouma, tu la supprimes, tu la détruis avant le Shabbat. Parce qu'en fait, la Trouma, on est très limité par les possibilités de consommer. Il n'y a que les Kohanim purs qui peuvent manger la Trouma. Donc ça restreint énormément. Soit, dans le quartier, combien on a de Kohanim? On en a 10, 20, 30. Donc tu sais très bien, maintenant, ils n'ont pas eu besoin, tu leur as déjà demandé ce qu'ils voulaient plus de Trouma, tandis qu'ils n'ont pas besoin, qu'est-ce que tu vas faire? Par contre, Vechoulin, Bizmanan, par contre, Roulin, tu restes avec, tu peux les garder si tu veux, jusqu'au lendemain, tu n'as pas d'urgence à tout détruire auparavant, parce que finalement, tu trouveras toujours, parmi toutes les possibilités de voisins, quelqu'un qui en a eu besoin. Concrètement, la halakha est établie comme Rabbi Shimon, comme Rabbi Elazar bar Tzadok, qui nous dit donc, la Trouma, selon le... Tu la supprimes depuis... Tu la finis depuis le vendredi, et la veille de Shabbat, pour la brûler, et après, par contre, les Choulines, on n'a pas d'obligation de tout supprimer. Concrètement, même si la partenaire, il rapporte que la halakha est comme Rabbi Elazar bar Tzadok, concrètement, l'instruction, vous le verrez dans 5 minutes, on a consacré quelques jours spécialement d'études à l'approche de Pessah pour bien expliquer les différences et les cas, la halakhot particulière de cette situation. Concrètement, l'usage, il est de brûler le Hametz. Depuis le vendredi, même le vendredi à l'heure habituelle, à la 4e, 5e heure. D'accord, comme tous les ans, en fait, pour ne pas que les gens voient, que les enfants vont voir qu'on brûle le Hametz en plein après-midi, l'année d'après ou dans quelques années, on se met à brûler aussi le Hametz en temps normal l'après-midi, alors que en temps normal, il faut brûler le Hametz quand il arrive depuis le matin. Donc l'usage, il est de brûler depuis le matin. Et on va garder ensuite la quantité minimale requise pour ne pas se casser la tête après avoir à le détruire. Donc sans compter qu'à part ça, il faut énormément surveiller ensuite le Hametz, puisqu'on a la maison qui est devenue, on a déjà fait la bdikat Hametz depuis le soir, donc on est très restreint, on doit la manger dans un endroit très défini, faire attention. Donc du coup, l'usage, il est de laisser le strict minimum, le Shulchan Aruch qui rapporte, laisser le strict minimum, le minimum pour les soudot, et quand on a fini, après, s'il en reste, ben on le jette aux toilettes, on verse dessus de la javel, on le rend que c'est devenu improbable à la consommation. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, c'est là.